bonjour et bienvenue dans ma nouvelle série. Aujourd'hui nous allons maintenant jouer au petit train. Après avoir joué à construire des jeux vidéo, on va jouer au petit train. Alors on va commencer par le multijoueur. George Stephenson. En aidant son père, il fait un mineur quand il était jeune, George Stephenson a toujours été un penchant pour les machines. Donc oui. Non, ça fait un petit moment que j'avais ce jeu. Et puis un petit moment, ça doit faire peut-être je sais pas, peut-être 6 mois on va dire quand même. Que j'avais ce jeu et puis j'avais jamais eu l'occasion J'avais jamais eu l'occasion d'y jouer en vidéo, je veux dire. Bienvenue sur Sid Meier. Commençons à parcourir le monde. Vous pouvez naviguer autour du monde en bougeant la souris vers les bords des de l'écran ou utiliser les flèches du clavier. Vous pouvez aussi cliquer sur la minimap pour vous rendre dans un panneau. Cliquez sur suivant. Tac, tac. Oui, c'est ça. Le principe là, c'est on le retrouve beaucoup dans comment ça s'appelle ce jeu. C'était je voulais faire un truc dessus en plus, c'était pas chevalier, Edge Empire, voilà, dans Edge Empire, enfin, dans les principes comme ça. Alors, commencer, minimap, suivant. Vous pouvez aussi faire pivoter, zoomer la carte, alors zoomer avec la molette, oui. Et pivoter en maintenant la souris. Ok. Voilà. Faites un clic gauche sur le bouton pause de rail. Ok. Pause de rail. Faites bouger la souris sur la voie à Baltimore. Ok. Notez que le cercle change de couleur. Bla bla bla. Oui. Alors, le rouge veut dire que vous ne pouvez toucher une voie existante. Que vous commencez. Jaune indique à l'intérieur d'une portion. Le verre dire que vous étendez à voir sur le voir. Ah. Ok, alors alors il faut amener de Baltimore jusque là. Bravo, youpi et voilà. Bravo, à présent faites un clic droit pour cliquer ce mode et poser clic droit. Quitter le mode de pause de voix durant la partie. Clic droit souvent utilisé pour annuler les actions ou quitter un mode. Ok. Clic droit. Avez-vous remarqué que les immeubles de la ville font de la place sur à votre voix? Oui. Dans ce jeu, les rails sont rois et le monde se plie à leur volonté. Maintenant que vous avez construit une voie dans la zone de connexion de Washington, il faut construire un dépôt de train slash une gare pour que les trains puissent y charger et décharger. Faites un clic gauche sur le bouton construire un dépôt. Clic gauche sur construire un dépôt. Puis bougez votre souris sur la voie dans Washington pour construire dans un dépôt. Ici. Voilà. Hop. Excellent, vous avez dormi. Ah, vous avez dormi. Excellent, vous avez désormais une ligne utilisable entre Baltimore et Washington. Nous devons acheter un train pour livrer des marchandises entre les deux villes. Placez la souris sur Washington et notez quelles marchandises sont demandées et quelles sont offertes. Et notez quelles marchandises sont demandées et lesquelles sont offertes. Voilà. Puis faites de même pour Baltimore, vous verrez que les deux villes offrent et demandent des passagers et du courrier. La taille d'une ville ne peut vous indiquer quel type de marchandises elle offre et demande. Ok, alors offre passager courrier, demande passager courrier, ça doit être nourriture, caisse et voiture. Et l'autre il demande passager courrier, nourriture, caisse, voiture, papier. Ça doit être sûrement un papier, ça doit être sûrement imprimerie ou un truc comme ça. Achetons un train pour transporter les passagers du papier de Baltimore à Washington. Cliquez sur acheter un train. Acheter un train.
Ceci est l'écran d'aiguillage. Les cercles blancs indiquent les dépôts. Représentent les dépôts que vous avez créés. Faites bouger la souris sur les cercles pour gauche. Faites le premier arrêt. Alors, gare de Baltimore. Dépôt de Washington. Alors, faites un clic gauche sur le cercle. Clic gauche. Bien, ordonnez maintenant à votre train de faire son prochain arrêt à Washington en faisant un clic gauche sur le cercle et revenant le petit train. Ok. Avez-vous remarqué que le train prend toujours les wagons que vous avez ajoutés depuis Baltimore? Les marchandises transportées par ces wagons sont chargées et déchargées chaque fois que le train s'arrête à un arrêt. J'ai la langue un peu sèche. Qui fournit ou demande ces marchandises particulières? Ce train est maintenant prêt à transporter passagers et courriers dans les deux sens de Washington-Baltimore. Ok. Il y en a encore beaucoup comme ça, parce que je me souvenais pas qu'il était aussi long. Enfin, je pense que... Enfin, si, il était peut-être aussi long, mais je le lisais pas comme ça, en fait. Quand vous achetez un train pour un nouvel année, un train va être disponible dans le réseau intégré au dépôt, néanmoins, si vous avez un train, vous pouvez ne pas forcément le faire, mais vous pouvez éviter un train pour être prêt à un effort locatif. Sélectionnez-moi, vous pouvez choisir changer dans l'image de fin. Cliquez-moi. Changer. Observez ce train lorsqu'il fait un retour en Baltimore. Les chiffres rouges indiquent qui apparaissent de temps en temps en reprenant un coup de main dans le main. Au fur et à mesure que le train vient, fait au moins un moment. Finalement, il peut que vous n'ayez remplacé vos deux trains par le tournant. Ok. En gros, c'est plus les trains vieillissent, plus la maintenance va être chère. Mais il faut aussi prendre en compte que un train plus récent, la maintenance coûtera plus cher, mais sera moins régulière aussi. Donc c'est une question de. Il faut comprendre. Les chiffres verts vous indiquent. Les chiffres verts qui apparaissent près des wagons du train représentent l'argent que vous gagnez pour la livraison des marchandises. Quand il y a un que vous pouvez dépendre de la distance parfois avec plus voyage est long et rapide, plus vous avez gagné de l'argent. Les autres marchandises ne sont pas touchées par la vitesse et la distance. Pour une raison, les trains n'ont pas obtenu le chargement prêt avec les wagons et passagers. Oui, en gros, il n'y a que les passagers et le courrier que plus on va vite, plus on gagne d'argent. En fonction de la distance. Vous n'aurez pas l'impression que vous gagnez plus d'argent pour les livraisons à Baltimore qu'à Washington. C'est parce que vous avez la meilleure gare à Baltimore. À Washington, les 3-4 gares, dépôts, gares et gares centrales. Les dépôts sont les gares les plus basiques et que vous pouvez acheter. Les gares et les gares centrales reçoivent un bonus pour que vous courriez quand même. Ok. À Washington, vous donnez les gares, vous donnez gauche, vous boutons de l'homme, vous faites un peu de gauche, vous faites un peu de gauche. Ok. Celle-là. Vous voyez, celle-là, elle est mieux en courrier que celle-là. Celle-là, elle coûte 20 000, coût de maintenance 500, vitesse 30 passagers. Ok. Voilà. Fermé. Ok. Voilà. Améliorer. Voilà. Alors, clic. Compte. Alors. Améliorer la gare. 100 000. Boum. Prêt en tournée. Acheter un autre train. Transporter courrier volant un bâtiment comme le premier train. Ok. On va faire Baltimore. Non. Tu veux que ce soit dans l'autre sens. Ok. Vous verrez que les trains sont tous les deux immobiles. Selon le niveau de difficulté auquel vous jouez, il se peut que les passagers, que le passage de train multiple sur une seule ligne ne soit pas autorisé.
Et pendant que vos deux trains sont bloqués, ils continuent à nous coûter de l'argent. Il faut donc les entretenir et donc résoudre ce problème. Voilà, ça c'est une problématique qu'il faudra prendre en compte sur tous les à tous nos trajets. Nous devons assurer un trafic constant que nos trains posent une double voie sur certaines lignes où la vocale vient, check, double voie, blabla. Double voie, voilà. Donc en fait, le principe est assez simple, c'est on crée une deuxième voie à côté de la première. Bon. Maintenant que vous avez sélectionné une double voie, nous pourrions la connecter à une ville. On va aussi cliquer... Attends! Génial, on va voir qu'il y a un repart fou. Celui-là, il part comme ça. Ok, poser une voie. Oui, attends. Poser une voie. Et celui-là... Comme ça. Celui-là il peut repartir, il vient comme ça, et celui-là il peut repartir comme ça. Voilà. Donc, cliquez, hein, machin. Posez une voie. Hop. Ici. Jusqu'à est-ce. Oh, wow, wow. Qu'est-ce que tu me fais? Non, c'est pas ça que je t'ai demandé. Poser une voie. On va éviter de faire un truc trop... Voilà, comme ça. Maintenant, construisez un dépôt... oui, bah, en gros, il faut construire une gare. Poc. Voilà. Bien. Maintenant, vous avez une voie... Et votre dépôt descend jusqu'à l'usine de voie à l'est. N'oublie pas que la voie doit être à l'intérieur du cercle vert pour que nous puissions construire un dépôt. Ok. Donc, on peut poursuivre. Comme ça, voilà. Je suppose qu'il faut une gare aussi. Hein, tu veux pas me la mettre de l'autre côté? Bon bah ça sera ici. Voilà. Contrairement aux gares et les dépôts des villes, les annexes ne peuvent être améliorées. En outre, vous ne pouvez qu'y charger des marchandises. Ok. Créons maintenant un train qui livrera du bois à la fabrique de papier de Eton. Cliquez maintenant sur le bouton acheter un train. Ok. Alors, on va déjà regarder. Idéal, c'est les passagers. Idéal, c'est les passagers. J'ai pas de train pour spécial fret. C'est-à-dire les marchandises. Coût des passagers. Alors, nombre de voitures. Plus il monte, moins il va rapide. Ouais. Eh ben, on va prendre que la première. Donc, tac. Ah, prendre du bois. T'amènes ça ici. Non? Annuler, sort. Ah. Voilà. Euh,
Ce train est mobile depuis un bon moment. Essayez d'ajouter une voie parallèle à Washington. Vous pouvez également acheter une nouvelle fabrique, papier. Alors, vous pouvez également acheter des usines existantes ou créer des nouvelles. Achetez la fabrique de papier à Easton en cliquant sur fabrique de papier. Fabrique de papier. Bravo, vous avez remarqué qu'une enchaînement pour la fabriquer, ben, vous devez être avec un numéro 1. Sinon, vous dites, ben, c'est pas... Mais attends, j'avais pas tout lu! Bon. Maintenant que vous avez exporté vos bah, là, je suis en mode normal. C'est normal que j'ai gagné, hein. Alors, mais quand on joue à multijoueur, il se peut qu'il y ait des joueurs qui... Voilà, il y a des joueurs. Il se peut qu'il y ait des... d'autres personnes qui en renchérissent. Voilà, c'est ça. Alors, voilà, bah, vous verrez que je suis des verres en haut à la fabrique. Chaque livraison représente un... Voilà. Vous pouvez aussi construire une nouvelle industrie en cliquant sur une ville, cliquez au bouton terrain vide, s'il est activé. Créer une nouvelle industrie coûte affreusement cher, mais vous êtes certain de la posséder et n'avez pas à participer aux enchères. En gros, on peut acheter direct une petite une entreprise sans passer par les enchères, mais ça coûte beaucoup plus cher. Selon la taille de la ville, vous pouvez ou non construire une nouvelle industrie. Quand la ville grandira, vous aurez la place d'y construire une nouvelle industrie. Ok. Deux secondes. Un inventeur met aux enchères un brevet de la dernière révolution. Les brevets donnent accès à une nouvelle technologie, accès à l'opération, par exemple, réduire le coût de maintenance ou augmenter la rapidité de votre train. Allez vite surenchérir. N'oubliez pas que si un autre joueur était actif, vous aurez à déterminer ce que représente ce brevet pour vous et surenchérir. Hein, j'ai acheté. Maintenant que vous avez gagné ce brevet, vous avez le droit d'exclusif de technologie pour 10 ans de jeu. Après ces 10 ans, elle tombe dans le domaine public et toutes les compagnies ont accès à cette technologie. Une fois que vous avez acquis un brevet ou que celui-ci est tombé dans le domaine public, la technologie du brevet s'applique automatiquement à l'ensemble de votre réseau. Ok. Bien. Parlons un peu des actions. Tu parles beaucoup quand même, hein, le jeu. En commençant le jeu, vous avez une certaine somme d'argent liquide. Oui. Enfin, pour l'instant, c'est pas mon argent. Hein. Vous avez peut-être remarqué que vous avez aussi démarré avec quelques actions de votre compagnie. Ces parts peuvent être vendues quand vous avez besoin de liquidité. Vous pouvez aussi acheter des parts de votre compagnie ou la compagnie de quelqu'un d'autre quand vous avez les moyens. Ok. Cliquez sur le bouton gauche de la concurrence en haut. Attends. Cliquez sur le bouton de la concurrence dans le coin supérieur gauche. Ah oui, c'est juste là. Je n'avais pas vu. Chaque compagnie de chemin de fer du jeu a un stock d'actions qui peuvent être achetées ou vendues. Sur cet écran, vous verrez combien d'actions vous possédez et combien sont offertes à l'achat. Si d'autres joueurs étaient actifs, vous seriez aussi... Vous verrez aussi leur stock d'actions et pourrez acheter et vendre les actions de leur compagnie. Alors, chemin de fer, PC, je changerai, hein, parce que je me suis trompé dans le nom. Liquidité, liquide, beaucoup trop d'argent. Valeur nette, ça fluctue. Bénéfice annuel, moins 12 000. Voix, 161 000. 1000 miles, ça doit être la distance. Nombre de trains, 3. Stock, 11 000. Non, 11 dollars. 5 sur 10. Alors, le seigneur du bois, 100% de livraison. Acheter. Ah, voilà, vous voyez, j'ai plus d'actions. Je vais acheter tout. Boîte 100% j'ai acheté toutes mes actions. Voilà, bénéfice annuel, je passe à 57 000. Ça va. Et j'ai mes toutes mes trucs. Voilà, vous pourrez acheter ou vendre vos actions. Ok.
Je veux dire, regardez. Finance, non. Victoire, non. Train. Produit. Industrie. Brevet. Ok. Si vous pouvez acheter toutes les parts d'un opposant, l'achat se fait automatiquement et tout ce qui lui appartient sera à vous. Vous gagnez la partie en étant le dernier en piste. Ah d'accord, donc en fait, quand on sera en multijoueur, si tu as les parts de tout le monde, eh ben, tu as gagné. Même si toutes les parts... Attends, même si toutes les parts offertes à l'achat d'une compagnie ont déjà été achetées, vous pouvez la racheter entièrement en payant chaque part que vous possédez par le double de sa valeur. C'est pourquoi il est avantageux de protéger votre compagnie en possédant le plus possible de vos propres parts. Oui, en gros, si tu as les 10 parts, eh ben, personne ne peut l'acheter, donc tu es sûr de... Voilà. Bravo. Vous avez fini le didacticiel de Sid Meier's Railroad. Maintenant, vous partez à la conquête du monde et commencez à bâtir votre empire du rail. Ouh, et ben voilà. On a tout compris. Vu le temps, je pense que c'est un bon épisode. Sur ce, je vous dis merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Partagez, commentez si vous avez aimé. Mettez des pouces verts aussi. Ça peut aider aussi. Si vous n'avez pas aimé, bah faites-le aussi, parce que voilà, si je l'ai décidé, vous le faites. Quoi d'autre? J'ai un Twitter, pour ceux qui s'intéressent. J'ai une chaîne Twitch, mais bon, je live rarement. Et sinon, bah je vous dis merci à tous d'avoir regardé cet épisode, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine.